Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici à ECW November to Remember. Ici à Philadelphie, on accueille tout de suite Steve Austin, surnommé Superstar Steve Austin, ici à la Extreme Championship Wrestling. Steve Austin affronte ce soir une légende de la ECW en la personne de Mikey Whipwreck. Ah, ça fait plaisir d'être ici à ECW November to Remember. On espère que ça va être un match de rêve. Vraiment. En tout cas, les fans sont très impatients de voir ce match. Et nous aussi. Et voici, mesdames et messieurs, venant de la Extreme Championship Wrestling, Mikey Whipwreck. Oh yeah. Mikey Whipwreck. Qui a l'air plutôt sûr de lui. Plutôt déterminé. Le cher Mikey. Qui, on espère ce soir, va nous impressionner. Parce qu'on ne le connaît pas, hein, cette superstar, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais eu encore dans une émission commentée par moi-même. Je ne connais pas du tout cette superstar, à part de nom. Je sais que c'est une grande légende de la ECW, du monde hardcore. En tout cas, Superstar Steve Austin et Mikey Whipwreck. Et c'est parti! Steve Austin qui se jette sur Mikey Whipwreck direct! Et il lui tord la tête déjà. Oh yeah! Ça commence fort. Ça commence très fort ce match. Allez, il lui blesse le bras droit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Austin Rules! Ah, il y a écrit Austin Rules! Sur le pantalon de Superstar Steve Austin, qui revient sur passement par-dessus les épaules. Et manchette à l'européenne portée par Mikey Whipwreck. Et allez, il se fait tomber. Et Superstar Steve Austin qui blesse la jambe maintenant. Oh là là, il blesse la jambe de Mikey Whipwreck. C'est pas vrai. La jambe droite. Il va être blessé maintenant. Oh, le bras gauche maintenant. Allez, il relève. Et Steve Austin qui projette Mikey Whipwreck dans les cordes. Brise-mâchoire. Joli contre porté par Mikey. Oh, Steve Austin le fait tomber encore une fois. Et Mikey qui contre. Austin. Austin qui va enchaîner avec le pile driver. Oh là là, mais quelle prise dangereuse. Comment Mikey Whipwreck va pouvoir se relever de ça? Et en plus, Austin enchaîne deux coups de poing. Et le tombé. 1, 2, et non dégagement. Simplement 2. Mikey Whipwreck a encore pas mal d'atouts en lui. Et il projette Steve Austin dans le coin. Voilà, running bulldog, non. Oh, face first. Allez, coup de pied en plein dans le dos. Il relève Steve Austin. Oh, coup de poing de Steve Austin qui contre. Oh, le powerbomb magnifiquement porté par Superstar Steve Austin qui blesse la jambe gauche maintenant de Mikey Whipwreck qui réussit à s'échapper. La superstar Steve Austin, souplesse arrière. Et le brise-mâchoire de Mikey Whipwreck. Et donc il contre. Et il balance. On rappelle que Steve Austin était, il y a de cela quelques années, à la WCW,
où il affrontait notamment Ricky the Dragon Steamboat à Bash at the Beach 1994, où il se faisait appeler Stunning Steve Austin, match disponible dans les vidéos et sur mon site. Oh, jolie prise portée par Superstar Steve Austin, qui projette Mikey Whipwreck à l'extérieur du ring et par-dessus la troisième corne. Allez, Steve Austin. Oh, coup de coude en plein sur le visage. Allez, il lui blesse la jambe gauche. Pour l'instant, Steve Austin a le dessus sur ce match. Mikey Whipwreck n'a pas encore fait ses preuves. Oh, le powerbomb. Oh là 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 là. Et il lui blesse encore la jambe. Oh là là, mais c'est pas vrai, ça fait la troisième fois. Ah, Mikey Whipwreck est en grande difficulté maintenant. Le tombé. 1, 2, et non dégagement. Steve Austin pensait que c'était bon. Mais non, il en faut plus. Pour battre la légende de la ICW, Rakan Rana, il enchaîne avec le tombé. 1, 2, et 3, non. Dégagement au dernier moment. Oh là là, Mikey Whipwreck qui a fait un retour incroyable. Surprenant. Venu de nulle part. Il a chopé Steve Austin. Et Mikey avec la souplesse arrière. Ici double style. Et Mikey Whipwreck qui attend que Superstar Steve Austin se relève. Oh, le stunner. Le stunner de Mikey Whipwreck, le tombé. 1, 2, et non dégagement d'Austin. C'est pas bon. Oh là là, Mikey Whipwreck qui vient de faire un retour incroyable. Oh, Mikey va à l'extérieur, Austin le suit, mais qu'est-ce qu'ils font? Il va falloir se mettre d'accord là. Ah non, ils n'arrivent pas. Hein. Ah c'est bon, ils sont tous les deux sur le ring. Mikey qui projette Superstar Steve Austin dans le coin. Oh, ça sent pas bon pour Austin. Oh, Mikey le pose sur le haut du coin. Oh, oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, Rock'n'Run a dû la troisième corde. Oh, Mikey Whipwreck qui enchaîne avec le tombé. 1, 2, et dégagement encore une fois. Et Mikey qui espérait que ça suffirait pour battre Steve Austin, mais non, il est plus coriace que ça. Et Austin qui réussit à s'échapper. Oh, destruction. German suplex. Et Austin pour la quatrième fois qui fait cette prise. Une sorte de figure four leg lock à la Nature Boy Ric Flair. Disons que c'est un remix. Et le tombé maintenant. 1, 2, et dégagement. Mais c'est pas vrai. Austin n'en revient pas. Ah, Mikey Whipwreck l'a repoussé. Austin le ramène au sol. Tu restes ici, tu bouges pas. La prise de tête maintenant. Il essaye d'étouffer Mikey. De le faire abandonner. Mais Mikey a réussi à s'échapper et il a recontré la prise. Austin l'a chopé, il le pose. Oh là, oh là, oh là. Le... Oh, coup de la guillotine avec la corde. Le tombé d'Austin. 1, 2, et 3. Victoire. Victoire de Superstar Steve Austin. Ce soir ici. À ECW November to Remember. C'est vrai que Steve Austin a eu le dessus pendant ce match. C'est vrai. Même si Mikey, oui, Mikey est revenu petit à petit. Oui, Mikey Whipwreck est revenu, certes. Mais Superstar Steve Austin avait quand même le dessus. On va pas se mentir. Il avait clairement le dessus.
tandis qu'on revoit les meilleurs moments de ce match qui vient de se dérouler ici à November to Remember. Très bon match de la part de Steve Austin et également très belle performance de Mikey Whipwreck, surtout le Hurricanrana du haut de la troisième corde. Ou le moment également où il est revenu de nulle part. Mais c'est quand même Superstar Austin qui a remporté ce match et qui entre dans l'histoire. Ah ouais, là, ce coup de la guillotine était vraiment très dur à voir. Et c'était le coup de la fin. Bravo à Superstar Steve Austin. Merci à tous d'avoir regardé ce match. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux matchs avec Steve Austin.